Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'amuser un petit peu, on va brancher une webcam sur un téléphone. Alors, pour l'opération, j'ai utilisé mon téléphone habituel, c'est-à-dire le Galaxy S20 Ultra, et on va prendre aussi une webcam. Donc là, c'est la Logitech C920, qui est plutôt sympa. Et surtout, il vous faudra des adaptateurs OTG, on the go. Je vous laisse regarder sur Google un petit peu en quoi ça consiste. Par contre, qu'est-ce que c'est en deux go? Vous allez pouvoir l'utiliser soit le câble qui est ici, soit les petits adaptateurs qui sont ici. Ça coûte pas très cher, vous en trouvez sur différents sites, c'est pas un problème. Certains Samsung, dont le S20 est fourni avec un petit adaptateur OTG, mais je le trouve un petit peu gros, donc j'ai préféré prendre le petit qui est là. Hein. Donc voilà, c'est tout bête. Donc, et aussi, très important, parce que... mettre la webcam sur le téléphone, c'est bien joli, mais il faut une application qui le fasse tourner. Je vous conseille de télécharger l'application InScape. Oui, à la base, c'est une application faite pour, vous savez, les fameux endoscopes. Hein. Oui, pour regarder sous les meubles et tout. Hein. Pas pour autre chose, hein. Non, surtout pas. L'application InScape, donc, qui vous permettra, quand vous allez brancher la webcam sur le téléphone, on va voir ça juste après, ça va vous demander est-ce que vous voulez utiliser InScape pour utiliser la GoPro C920, vous faites OK, et puis voilà quoi. Particularité. Donc là, on va travailler sur Samsung, donc sur la Galaxy. Je suppose que sur tous les autres téléphones Android, ça fonctionne. Par contre, cependant, j'ai voulu tester sur l'iPad. Oui, sur l'iPad. Je dis, ça peut être sympa. Apple ne faisant jamais des choses comme tout le monde, hein, on commence à le savoir. Si vous voulez le faire, il faudra cet adaptateur. Oui, le prix ne sera évidemment pas le même, et c'est là toute la stupidité de la chose, puisque sur un Samsung, vous branchez l'adaptateur OTG ou le câble OTG et vous mettez votre webcam, ça fonctionne tout de suite, il vous demande de lancer avec l'application. Sur Apple, sur l'iPad, il vous dit qu'il n'y a pas assez d'énergie. Alors, j'ai pas testé sur les téléphones iPhone parce que je n'en ai pas, mais je suis sûr que le principe est le même, il vous faudra cette saleté d'adaptateur qui coûte... bien plus cher qu'un simple adaptateur OTG. Voilà, allez, tout de suite, démonstration, on y va. Voilà, alors on va dire c'est quoi l'utilité. Bon, tout simplement, je sais pas. Si vous voulez brancher votre téléphone, tablette aussi, Android, ça fonctionne. Hein, j'ai essayé sur une Lenovo, il n'y a pas de souci, ça marche. Avec l'application InScape, n'oubliez pas. Donc pour vous enregistrer sous différents angles, faire la star, je ne sais pas. Parce que le téléphone c'est bien joli comme ça, mais peut-être qu'on a envie d'avoir la caméra avec le rendu sur un écran, donc ça peut être super pratique. Hein. Toutefois, notez une chose, sur tous ces téléphones actuels, vous avez une qualité d'image qui est assez spécifique. Et suivant votre webcam, sur l'application InScape, vous allez avoir le rendu de votre webcam, pas de l'appareil photo de votre téléphone. Attention, je tiens à le préciser. Là, c'est une C920 Logitech, donc c'est du 1080 dpi, et c'est du 30 images par seconde. Donc attention, parce que si vous faites des montages par la suite, si avec le téléphone vous filmez, je sais pas moi, en 1080 en 60 images par seconde, et là 1080 30 images par seconde, vous risquez d'avoir un problème, ou même si vous filmez en 4K ou en 2K ou en 5K ou en 8K, je ne sais quoi, tout est possible. N'oubliez pas que vous allez tenir compte de cette image. Deuxième particularité, j'ai essayé, si quelqu'un a la solution, vous pouvez le mettre en commentaire, moi ça m'intéresse. Je voulais faire à la base avec cette webcam la brancher sur le téléphone pour faire des lives, c'est-à-dire mettre la caméra à différents endroits et pouvoir streamer directement. On ne peut pas. On ne peut pas parce que je n'ai pas trouvé d'application valable. InScape est vraiment une application à part pour les endoscopes. Il y en a d'autres, mais qui sont bourrés de pubs. C'est un enfer. Donc je vous recommande vraiment InScape. Donc vous allez pouvoir enregistrer des vidéos ou des photos avec InScape de votre webcam, mais vous ne pourrez pas streamer, vous en servir pour YouTube, Twitch,
Twitter ou je ne sais quoi. Non, j'ai pas trouvé encore. Donc si quelqu'un a une application qui permet de streamer directement une webcam avec le téléphone, je suis preneur, hein, de toute façon, j'aime bien ce genre de choses. Voilà. Sur ce, je vous laisse, amusez-vous bien, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.